Ok, salut les gars, salut la team. Aujourd'hui, on va travailler sur le Biama coupé décalé, ce nouveau rythme ivoirien qui est en train de prendre un peu de partout. Donc là, j'ai fait quelques mesures. Pour ceux qui veulent le projet dans la description, à toute fin utile, si ça va vous servir, tant mieux. Le cas contraire, vous pouvez laisser là. Donc, rapidement, je vous fais écouter et puis on entre dans le vif du sujet. Comme vous l'avez écouté, c'est juste un bout. Comme vous l'avez écouté, c'est juste un bout. C'est juste un bout. Bon, pour ceux qui veulent le projet, vous allez télécharger. Vous pouvez continuer. Vous pouvez supprimer. En tout cas, à vous d'utiliser ce qui va vous servir. Donc, comment j'ai composé ça? Un truc rapide. J'ai commencé par utiliser pas mal de caisses. Bon, bref, d'abord le kick simple, chaque un temps. Voilà. Un rim shot. Je suis en un six-step. Un shaker. Voilà. 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 Bon, ça j'ai muté ça. Ça que ça ne nous sert pas. Voilà, on avance. Un sifflet. Ça, c'est un Lion Sonic. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de simple? Maintenant, une mélodie est simple. Le Biama, c'est pas trop des mélodies, c'est beaucoup plus des variations au niveau des arrangements. Bon, ça c'est la base que j'ai juste faite. Purity. C'est l'instrument que j'ai utilisé. Voilà. Deuxième mélodie. C'est simple, donc première, la note principale dans le grave et la note principale dans l'aigu. Pouvez jouer plusieurs jeux. Bon, par exemple. En tout cas, vous pouvez jouer plusieurs jeux. Mais c'est beaucoup plus la première note du grave et la même note un octave de plus. Donc, c'est Wave Station que j'ai utilisé. Wave Station.
Voilà, des cork. Et puis, il y a la basse. Bien, c'est agressif. Et c'est fini, tout ça mélangé, voilà ce que ça donne. C'était un tuto très rapide, très rapide. Le projet est dans la description. Vous pouvez cliquer, télécharger et puis profiter à vous enjailler. Ok les gars, à plus pour un prochain tutoriel.